la méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Cher ami, le verset biblique du jour se trouve dans Jean 15, verset 5. « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises est de laisser Dieu faire le gros œuvre. Trop souvent, nous voyons ce qui ne va pas dans notre vie et nous essayons de le régler par nos propres forces. Mais cela ne suffit jamais. Jésus a dit dans Jean 15, 5, « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous pouvons essayer de nous suffire à nous-mêmes, mais nous devons laisser Dieu pourvoir à la grâce et aux capacités nécessaires pour accomplir ce que nous devons faire. De façon générale, la volonté et la détermination nous aident lorsque nous commençons un nouveau projet. Mais nous savons qu'elles nous abandonnent souvent à mi-parcours, nous laissant comme échouer sur une plage. Nous pouvons apprendre à jouir de la vie qui nous est offerte au travers du sacrifice de Jésus, en invitant Dieu à s'impliquer dans tous les aspects de cette vie. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. » Matthieu 11, 28. Nous ne sommes pas faits pour fonctionner sans Dieu. Avec lui, nous pouvons briser toute mauvaise habitude ou addiction, comme l'excès de nourriture, l'abus de drogue, une mauvaise gestion du temps, les problèmes de tempérament. Jésus est plus grand que tous vos problèmes. Prions ensemble. Seigneur, je sais que je ne suis rien sans toi. Aujourd'hui, je t'invite dans tous les domaines de ma vie et je te laisse faire le gros œuvre. Je vais te suivre et te faire confiance chaque jour. Merci d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la newsletter mensuelle sur joycemeyer.fr/newsletter. Soyez bénis et à bientôt !